Allez-y. Et j'aurai besoin de Mathilde pour la réponse, parce que je sais. Quel est l'auteur de la série qui s'appelle L'école emportée? Alors, très belle série, très dure, très noire, série des années 60. Eh bien, Umezu, bravo. Voilà, là on a le point manga auteur sur la droite. Alors, dans Dr. Stone, il y a des lectrices, des lecteurs Dr. Stone, quelques-uns toujours. La main prête à jaillir là, faire la roulade. Alors, en quoi se transforment les humains pendant Dr. Stone en pierre, comme le titre de la série l'indique. Voilà, c'était bien. Allez, vous montez. Alors, dans Capitaine Albator, quel est le prénom d'Albator? Ah, dis donc, on n'a plus de 10 secondes de réponse. Presque. On peut le... Enfin, si vous prononcez à l'anglaise, on va dire que c'est Harlock, c'est avec un A, effectivement, c'est Harlock. La taille de l'épée de Guts. Alors, 2m20. Excusez-moi, parce que j'ai... Non? Jeune Non? 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 Non, non. Ah, disons, on a réussi à vous coller. Oui. Dis-moi. Ah, 1m80. Excusez-moi, j'ai pas dit la réponse. Non. Non. Alors non, vous êtes tous trop haut. Hein. Vous êtes tous trop grands. 1m70, non? 1m20. Non. Non, trop petit. 1m10, non? 1m50, non? 1,40, oui! 1,40 puisque c'est 1,35. Ah ouais, j'en ai 1,50. Bon, écoutez, merci beaucoup! Thank you.